les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui, je tourne avec la lumière. J'espère que ça ne va pas trop nous déranger, ça fait un peu des ombres. Parce que ce matin, là, il est 11h et depuis ce matin, il y a des orages très très forts là sur Royan, Méché, à Méché où j'habite donc. Et le temps est très très couvert, par contre il pleut et ça c'est un vrai bonheur, ça rafraîchit et surtout la terre est super contente. Donc hier j'ai eu l'occasion d'aller à Action parce que j'ai rencontré Marie-Pierre, une de mes abonnées qui me suit, avec qui du coup ben, on est devenu un peu amis quoi. Et en attendant je suis allée faire un petit tour à Action, donc Action Royan, et j'ai trouvé des petites choses que moi personnellement je n'avais encore jamais vues. Bon, des petites choses, et après quelque chose là par contre que j'ai trouvé super, que je vais vous montrer après. Pour commencer, j'ai trouvé au rayon enfant, là où il y a les albums pour colorier et tout ça, ce qu'ils appellent des mini colors. Ouais, ce sont de tout petits albums. Alors vous voyez, ils font vraiment alors, mes super règles de Fran, ils font 10 sur 10. Ils sont à 0,49 centimes. Il y a plusieurs sortes. Moi, je n'ai pris vraiment que ceux qui m'intéressaient. Les licornes et les licornes fées, là, pour ma petite fille. Les perroquets pour moi et mon petit-fils. Enfin, mon petit-fils et moi, pardon. Il n'y avait pas, je pense qu'il y avait certainement avec des véhicules. Mais je... Ah oui, voilà, il n'y était pas. Vous voyez, il y a ces six modèles. Hop, voilà. Et moi, il n'y avait pas celui-ci, sinon je lui aurais pris. Bon, je vous donne le code barre. Alors, ce que j'ai trouvé bien dans ces mini colors, c'est que d'abord, c'est sur du carton, du cardstock. Vraiment épais, hein. Moi je dirais au moins 120. Et ils sont très petits, vous voyez. Donc on peut tout à fait les, regardez ça, si c'est chouette, les utiliser comme un tamponnage, les détourer, les coloriser à l'encre, à l'aquarelle, au feutre, à alcool, crayon de couleur. J'ai trouvé vraiment que c'était c'est des petits sujets vraiment sympathiques. Donc j'ai même des petits personnages à la fin, regardez ça, c'est chouette. Il y a une petite fée ici. En plus, ils sont ici, il y a un pli et je pense que, ouais, voilà. Bon, forcément, ils s'enlèvent aussi comme ça, mais ici, il y a un pli qui permet de les déchirer facilement. Donc, on peut les coloriser, les détourer et ça peut faire des petits sujets sympas pour nos cartes, nos ATC, nos ATG. Ah, alors l'une de vous m'a demandé ce que voulait dire ATC, ATG. C'est une petite nouvelle dans le monde du scrap, donc je vais lui répondre. ATC veut dire Artist Tardine Card, ça veut dire en français carte à échanger. ATG, c'est Artist Tardine GIS, puisque c'est GIS qui a inventé le concept. Voilà, c'est toujours aussi à échanger. Donc il y a celui avec les petits animaux. Bon, c'est des motifs un peu naïfs, mais des fois ça peut être sympa. J'aime beaucoup le kangourou là, vous voyez. Donc c'est sympa. Et puis alors celui-ci aussi est vraiment très chouette avec ses petites licornes. Vous voyez. Ça, je suis contente de cette petite trouvaille. Donc ils sont à 0,49 centimes. Et il y a, alors est-ce que c'est marqué, combien il y a de, c'est pas marqué, combien il y a de dessins dedans. Alors 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25. Il y a 25 petits dessins, 0,49 centimes. Si je n'utilise pas tout, ça fera le bonheur de mes petits-enfants. Ensuite, toujours au rayon enfant, j'ai trouvé ceci à 2,99 €. Alors ça, j'ai trouvé chouette. Il y a, bon, il y a des petits tampons. Là, il y a un petit tampon fée qui est vraiment sympathique. Danseuse, excusez-moi, qui est vraiment sympathique. Un petit château. Bon, forcément, c'est des tampons enfants, mais moi, je vais m'en servir. Il y a deux pattes d'encre. Bon,
on sait ce que valent les pattes d'encre chez Action. Pour l'instant, il faut qu'ils revoient leur copie là-dessus, c'est vraiment une catastrophe. Mais par contre, ce qui m'a plu, c'est qu'il y avait deux gros bobines de paillettes et ceci. Donc, écoutez, on va ouvrir. Donc, il y a le modèle fille et il y a le modèle, entre parenthèses, garçon, avec une girafe. Alors Gis, tu vas adorer, je pense, une girafe, c'est un peu thème savane, j'aime beaucoup. Les pattes d'encre sont différentes, par contre, au niveau des paillettes, c'est la même chose. Donc allez, on va ouvrir. Et alors il y a marqué 5 ans et plus, et le code barre, je vais essayer de vous le montrer, voilà, comme ça. Allez, on va ouvrir, et on va tester ma foi. Désolée, c'est pas très agréable. C'est vrai que ces blisters là, on risque pas de voler les affaires. J'aurais pu faire ça avant, je vous l'accorde. Vidéo mal préparée, Kiki. Voilà, on va y arriver quand même. Oh, et puis le petit support est sympa, ma foi. Ça, ma petite fille va s'en occuper, je vous le dis, moi. Alors, on va sortir le tampon. J'en ouvrirai qu'un puisque l'autre, ce sera sensiblement la même chose, je pense, au niveau des... Hop, voilà, ça c'est les paillettes. Les petits tampons. C'est des petits tampons mousse. Voilà, voilà, ça y est. Donc, je vous laisse le prix ici. Alors, ben, nous allons faire un petit essai. Hein. C'est parti. On va essayer avec l'encre. En plus, Manon va être super contente. Du rose, du violet, tout ce qu'elle aime. Alors, voyons déjà comment sont leurs encres. À mon avis, comme d'hab, elles sont sèches. Oui, vous voyez, c'est même pas si vous allez le voir. Donc, on va prendre. Donc ça, je verrai après ce que je peux en faire. J'ai une petite idée, je testerai. Allez, on va prendre la danseuse. Même si je ne m'en sers pas très souvent, ça amusera les petits sans souci. Alors, hop, bah tu es tombé comme ça, vas-y. Bah, ma foi, regardez, en ayant un loupé puisqu'il m'a échappé des mains, c'est pas trop mal. C'est un joli tamponnage. Donc, ma foi. Allez, voilà, ça y est, j'en ai plein les doigts. Juste, je commence et j'en ai déjà plein les doigts. Le petit papillon. Ah ben, c'est plutôt pas mal. Donc, au niveau des tampons, il n'y a pas de souci. On pourra s'en servir. Je nettoierai après. Donc ici, il y a de la paillette or avec le... Bien sûr, il faut enlever l'opercule, hein, qui se trouve dans le bouchon. Je ne vais pas le faire là maintenant. Et dessus, ça fait poivrière. Donc, c'est bien pour se poudrer. Donc, il y a un or, un argent. Il y a aussi une paillette bleue, un tube de paillette bleue, un tube de paillette violette. Ça, pour les shakers, les cartes shakers, nickel. Et donc, pour le côté garçon, il y a un vert et un violet qui est un petit peu plus soutenu, qui fait un peu plus rouge. Un vert et rouge. En fait, non, même pas. J'allais dire ça correspond aux encres, mais non, même pas. Et il y a quatre stylos colle paillettes. Donc, un vert, un bleu, un rouge, un or. Donc ça, c'est pareil. Hein, pour les enfants, c'est top parce que c'est pas très... faire tomber la paillette.
Est-ce que je peux faire des drops? Hop, on va essayer. On va en faire 3. Une grosse, une toute petite. Voilà. Ah oui, par contre, celles-ci ne réagissent pas, ne s'aplatissent pas. Vous voyez, il y a la tétine. Comment je vais vous la montrer? Comme ça. La tétine, vous voyez, elle reste en l'air même si... Même si je la tape. Mais bon, ça amusera toujours mes petits-enfants. Et ici, alors, qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est de la peinture. Alors... Ouais, c'est une sorte de peinture. Ben ça, pour le l'art journal, pourquoi pas. Voilà, il y a un blanc, un jaune, un violet un peu nacré pailleté, un bleu nacré aussi et un rose nacré. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Écoutez, pour moins de 3 euros. Les couleurs dans le kit garçon sont les mêmes. Bon, c'est pas trop mal. Voilà, et alors maintenant j'en viens à ce qui m'a beaucoup, mais vraiment beaucoup plu. Alors attendez, je vais essayer de mettre tout ça là-dedans pour pas perdre tout. Voilà. Tac. Je pose ça à côté de moi. Ça aussi. Je fais un peu de ménage et puis je m'en mets plein les doigts par l'occasion. Donc voilà, voilà ce qui m'a énormément plu. Que je n'ai encore, je n'avais encore jamais vu ces deux modèles. Ils appellent ça des blocs dessin journaling. Ils sont à 2,69 €. Il y a 28 feuilles. Bon, c'est un bloc, vous allez me dire. Donc, il y a ce rose et ce vert. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ces blocs, je vais vous montrer, c'est que vous avez une page cartonnée et vous avez la même page papier fin. Vous voyez ? Donc il y a donc à chaque fois le papier carton et le papier fin, et le marbré et le papier fin. Les dos sont les dos sont neutres, on va dire, ce qui est pas mal. Ici, celle-ci, j'aime beaucoup, hein, avec ses fleurs. Ça un peu moins, mais Marie-Pierre m'a donné une idée, découper des mots dedans ou des feuillages, c'est vrai. Donc toujours hein, les deux feuilles, ça c'est chouette. Ici, il y a des mots que l'on peut découper, ça c'est très joli aussi. Alors, on arrive dans la partie, on va dire, intéressante. Ici, il y a tout plein d'étiquettes. To do, books. Vous voyez, c'est pour faire du journaling. Mais moi, je ne vais pas m'en servir en journaling. Je vais récupérer les mots, les petites cases ici. Donc, là, il y a deux pages à chaque fois en épée. Ici, il y a des cartes de... Pour les photos, là, je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Mais voilà, mais je ne sais pas, je m'en servirai autrement. Et voilà ce qui m'a énormément plu. Il y a des pages de die cut. Oui, oui. Tout est prédécoupé. Voyez. Donc là, il y a des mots. Il y a des petites images comme ça qui sont très jolies. Franchement, j'aime beaucoup ce bloc. Donc, il y a deux pages comme ceci. Ici, il y a deux pages avec les mots. Bon, c'est des mots en anglais, mais ma foi, c'est pareil. Hein, c'est tout prédécoupé. Les petites... Tout est prédécoupé. Derrière, c'est des lignes. Ça peut être, on peut s'en servir aussi. Donc tout est, vous voyez, tout est prédécoupé. C'est vraiment du die cut. Il y en a donc deux comme ça. Il y a celle-ci qui est très belle aussi. Birthday avec des images, vous voyez. Moi, j'ai trouvé ça très très beau. Il y a du feuille. Donc il y en a deux. Et là, il y a une page de die cut. Enfin, deux pages de die cut, vous voyez, les petites bannières comme ça, les petits onglets, et puis les die cut, quoi, qui se découpent très très bien. Évidemment, je m'y prends mal, parce que je suis un peu loin, mais je vais vous en montrer un quand même. Alors, ne faites pas comme moi, mettez-vous bien au-dessus, parce que là, je suis un petit peu en train de l'abîmer, mais je le recollerai, c'est pas un souci. Je vous jure que ça se décolle très bien. C'est juste moi qui m'y prends très mal. Voilà. Donc, voici un très beau die cut. Regardez-moi ça. Très joli. Et il y en a donc deux pages. Voilà, toujours avec les papiers petits carreaux. Et le deuxième, qui est pareil,
dans le même style. Donc toujours à 2,69, toujours 28 pages. Celui-ci est un peu plus vert, donc il y a du feuillage, très joli feuillage. Là, des petits points, toujours la feuille cartonnée, la feuille légère, d'autres feuillages. Celui-ci un peu plus sombre, mais pour faire une carte très chic en matage noir et blanc, ça c'est très bien. Ces petits cœurs roses, alors ça, ben, pas de souci pour les utiliser, on trouve toujours. Ceci que j'ai beaucoup aimé aussi parce que on peut le laisser tel quel, mais on peut aussi le coloriser. Hein. Ça c'est, là, regardez là, il y a des oiseaux, un genre de petite colombe ici aussi là, donc ou un perroquet. Ça j'aime beaucoup. Donc toujours le dur. Derrière, vous avez vu, c'est des petits carreaux. Là, c'est des feuillages ton bleu. Bon là, il y a quatre grandes cartes. Ici, il y a deux feuilles de folle. Non, il n'y a qu'une feuille là. Tiens, comment ça se fait? Il n'y a qu'une feuille de folle. Mais bon, il est très joli. Il est un petit peu en surface. Quand on passe le doigt, on sent les petits grains. C'est granuleux, c'est très agréable. Il est très joli celui-ci. Alors là, pareil, c'est pour faire du journaling. Mais je m'en servirai autrement. Regardez ces petites étiquettes en bas là. Elles sont très jolies. Vraiment, là ici, pour tamponner un petit mot et mettre sur une carte, moi je trouve que c'est très joli. Donc là, il y en a deux. Il y a les petits die-cut aussi, les petites étiquettes comme ça. C'est très très sympa. Des tout petits ronds. Regardez ici, c'est un petit nuage. Un tout petit nuage. Oup, hop, 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 hop. Voilà. Pareil ici. Tout plein d'étiquettes, alors des étiquettes flèches, des étiquettes, alors une étiquette flèche, voilà, et une étiquette bicolore, comme ceci, trop sympa, moi j'aime beaucoup, des petits cœurs, là des petits onglets, des petits cœurs, des étiquettes encore. Ça c'est pareil ça, par exemple vous pouvez couper ici la to-do list si vous ne faites pas d'art journal, de journaling, oui pour l'art journal c'est très bien ça aussi, si vous ne faites pas de journaling, vous coupez ici, vous avez fait votre petite carte pour mettre le petit mot à l'intérieur, au lieu d'écrire banalement sur une petite feuille blanche ou sur directement sur la base de carte, eh bien vous mettez cette petite, en coupant là, vous faites un petit trait couleur or et vous écrivez votre petit mot. Là, ici, il y a une genre de petite règle. Toujours un peu avec du foil. Là, c'est des onglets. Voilà, des très beaux onglets. Alors, on plie en deux. Dans l'autre sens, Christiane, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Là, vous avez des onglets. Donc, pareil, il y a deux pages. Et ici, il y a une très belle page de die-cut. J'adore. Vous avez des die-cut à coloriser. Vous avez le même oiseau, tiens, que l'on retrouve sur la page. Les die-cuts qui sont déjà tout colorisés. Moi, j'adore ces deux pages, elles sont vraiment trop belles. Mais, écoutez, moi, je suis très contente de cette petite découverte. Donc, je vais vous mettre le petit code barre. À l'arrière du bloc, vous avez tout ce que le bloc contient. N'oubliez pas que la cartonnette peut servir pour des albums ou pour récupérer les petites choses. Devant, c'est pareil, on peut récupérer des petites choses, hein, les petites fleurs ici, la fleur ici qui est très belle, qui est magnifique cette fleur là. Alors elle doit être à la fin, cette fleur, elle est trop belle. Non, elle n'y est pas. Où c'est qu'elle peut être? Si elle est là, c'est qu'elle doit être quelque part. Enfin, bon, je ne vais pas vous embêter avec ça. Voilà, c'était ma petite découverte du jour. Dites-moi si c'est nouveau, si vous l'avez déjà eu dans vos actions, ou alors si c'est que le mien est vraiment à la traîne, ce qui sera encore possible, parce que je n'ai toujours pas trouvé les nouveaux tampons accompagnés du dice. Vous savez, je crois qu'ils en ont sorti 6. Oui, en plus des tampons jungle et tout ça, il y a des séries de tampons. Il me semble qu'il y en a 6 avec le petit dice incorporé. Comme ils avaient fait pendant un temps, comme celui-ci, voilà, vous voyez. Donc, il y a une nouvelle série qui est sortie. Eh bien, je crois que j'ai fait le tour. Moi, je suis plutôt contente de ma petite danseuse. Je vais la piquer à ma petite fille.
Bon, je lui laisserai de temps en temps, mais je vais m'en servir. Bien voilà, scrapez bien, la vie est belle. Bye bye!